J'ai tout brûlé, la forme ne me convenait pas et j'ai décidé de remplacer la confession par un récit à la troisième personne. Nous sommes partis à l'étranger parce que mon mari risquait d'être emprisonné pour sa dette. Je n'ai pas le droit d'abandonner la partie, Ania chérie, tout en sachant que cet acharnement n'est pas de nature à me faire gagner. Ignorant complètement les émotions du jeu, j'étais inquiète pour la santé de mon mari. Et je perds, au lieu de gagner cet argent dont j'ai absolument besoin pour payer mes dettes et aussi pour pouvoir finir, créer mes châtiments. Il s'énervait et jouait des sommes de plus en plus importantes. Le lendemain, nous étions obligés de mettre en gage nos affaires. Le démon m'a aussitôt joué un tour à sa façon. En 3 jours, j'ai gagné 4000 francs. Je souffrais de découvrir chez mon mari quelque chose d'ignoble et de misérable. Je n'ai pas quitté la table à temps. J'ai tout perdu. Il se demandait pourquoi le destin s'acharnait contre lui. J'ai besoin de la Russie. Elle seule peut sauver encore mon bout de talent et revigorer le peu de force qui me reste.